On va parler de Cyril Hanouna. Voilà. Célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause, comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur stand? Leur sort est entre vos mains. Et cette chaîne Virgin 17 qui maintenant est D17 Direct Star pour ceux qui ont connu, et ben il animait l'émission L'île de la Tentation sur Virgin 17. Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu une saison sur Virgin 17? Non? Et ben si. Et ben Laurent Fontaine l'animait et évidemment L'île de la Tentation qui est revenue sur W9. C'est là qui est encore diffusé, je crois. Avec Delphine Despizer, la Miss France. On continue avec le 5 février, M6 qui lançait NCIS Los Angeles. On continue avec le 24 février et le lancement et la dernière saison de Nos Années Pension, c'était sur France 2. Le 13 mars, Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, le 13 mars 2010, a repris l'émission Facile à chanter, c'était sur France 3 et Facile à chanter. Facile à chanter, le générique, c'était ça. Facile à chanter. Cyril Hanouna, mais là on va sur France 4 et on va au 1er avril, et ce n'est pas une blague, 1er avril 2010, le lancement sur France 4 de l'émission Touche pas à mon poste, où il y avait Jean-Michel Maire, Christophe Carrière, Thierry Moreau et juste Éric Dussard, et très très vite après il y a eu Enora Malagré qui est arrivée dans l'émission. Le 8 avril 2010, Bong
cette chaîne, je crois que c'est une chaîne enfant, arrive en France. On continue avec M6 le 23 avril 2010 qui lance sa série Hawaii 5.0. Et bien, je vais vous dire, je ne pensais pas que c'était 2010. Je pensais que c'était plutôt vers 2015 voire 2017 quoi. Ah ouais, ça date en fait, Hawaii 5.0. Sur WDF, le 20 mai, le lancement de l'émission présentée par Faustine Bollard, Dilemme. Ah là là, Dilemme. Dilemme, c'était une télé-réalité où il y avait des dilemmes, mais c'était très, 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 très trash. Si il y en a qui se plaignent de les Marseillais ou les anges de la télé-réalité ou Secret Story, comment c'est trash, dites-vous que dans Dilemme, c'était encore plus trash. Il y avait une candidate qui était en maillot de bain, il y avait une séquence que j'ai vue sur Internet, elle était tenue par une laisse en cuir par un candidat et la meuf devait jouer le chien du candidat. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas, c'était une émission sur WMF qui avait cartonné à l'époque. Et pour tout vous dire, Secret Story, en démol qui a Secret Story, avait porté plainte contre Dilemme de plagiat, évidemment. Et Dilemme avait été tranquillement secouru, voilà, pas secouru, mais ils avaient été au tribunal blanchi, on va dire. Et juste après la saison, en décembre, la saison s'était terminée en novembre 2010, et en décembre 2010, Faustine Bollard, dans une interview, annonce une saison 2 de Dilemme, et W9 n'a jamais reconduit l'émission, alors que l'émission avait fait de super belles audiences tout de même. On continue avec le 11 juin 2010, TF1 qui lance la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ah ouais, et ça avait fait polémique, je crois, en 2010. Moi, j'aime pas le foot. Mais c'est en 2010 que l'équipe de France ne voulait pas descendre du bus, c'est ça? Eh oui. On continue avec le 26 juin 2010, et toujours TF1, qui diffuse la dernière de l'émission Attention à la marche, présentée par Jean-Luc Creschmann. Et donc si le 26 juin, l'émission Attention à la marche se termine, le 28 juin, c'est la toute première de l'émission, toujours présentée par Jean-Luc Creschmann le midi, les 12 coups de midi. On continue avec le 9 juillet, et on va s'intéresser à Jean-Pierre Foucault, qui animait la dernière quotidienne de Qui veut gagner des millions, version Jean-Pierre Foucault évidemment, le 9 juillet 2010, parce qu'il continue à faire l'émission en version prime avec des célébrités. Et pendant le confinement, Camille Combal, qui avait repris en 2019 l'émission, a refait les quotidiennes pendant le confinement. On continue avec le 19 août 2010 et le lancement de l'émission présentée par Carole Rousseau, Masterchef. C'était sur TF1 à l'époque. Masterchef qui a fait quelques saisons, qui a après été diffusé sur NT1 et après qui a été diffusé sur France 2, et l'émission est en arrêt. On continue avec le 1er septembre 2010 et Virgin 17 qui ferme leur place pour laisser place à Directstar, puisque la chaîne est rachetée par Vincent Bolloré qui avait Direct. C'est le bordel, voilà, mais en tout cas Virgin 17 devient Directstar. Le 6 septembre 2010, la première émission d'On ne demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier, et On ne demande qu'à en rire, le générique, c'est ça. Nicole Ferroni aussi, l'émission a été lancée le 6 septembre, et Laurent Ruquier voudrait le remettre, et il y a des projets, peut-être sur un prime éventuel, mais pas en quotidienne, mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas faire un truc avec On ne demande qu'à en rire. Et enfin, pour terminer, le 17 septembre 2010,
C'est le début de la saison 10 de l'émission de d'aventure présentée par Denis Brognard, Koh-Lanta. Et voilà pour à la télé en 2010. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite sur YouTube de la taupe. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye. Profitez de la vie. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains.